Le metal losing, ouais. Losing, il y avait. Hein? Ah! Bamela Okuna. Le metal, hein? Ongi Kotakawa. Noki Space Miner Mayela. La Betina Gokota. Le metal, hein? Le Betina Baska. Kotakawa na vrai souka. Ah, Betina Kota na inzo. Tranquille, hein? Losing a bit na Canada wa ni muti India. Bien na talaka bant ke tetawa. Ha? Ni kalitia losing ya bet ke nat na bali ka beto na ka chaba nto cha beto. Ben me comprendre, hein? Ben me comprendre. Ben me tala. Nina, hop ça. Et Marcel. Ah, oh, Marcel, tam hein? Hein? Bitki a betawa, ben metal leur bit meka tuka. Hein? Bitki na kota maintenant. Ni na mbochange. Ben metal losing a betwa. Ni kaliti mutinda losing ya beti sus kusanat na boala. Na banto cha beta ba komu na ko pesa pa pechi a betu. Pa pechi a betu si, to na bit beti kot na retraite. Pa pechi ke bak relay beti ba na wonga net kama ba coach kwa. Ko coacher ba pechi. Zana ba bon. Je me suis dit que bon, avant que je me suis dit que je comprends. Je me suis dit que ça qui est. Voiture, je me toujours blindé. Hein? Toujours moi, bouteille, bangouba. Je me suis dit que je gratanya dit que je me suis kalinga. Je me comprends. Ça me dit que je me suis dit que je me parce que faut toujours que vous avez un mise goal dans le cas. Parce que tu ne sais jamais. Dans la période de neige, la neige que vous avez, vous avez un embouteillage dans l'autoroute et puis vous avez un groupe pendant 0 à 0. Donc vous avez un blindé. Bon. Bienvenue là. Quand tout était. Tout était qui m'a bête sur le lien de moi, je suis avec moi, mon pépé. Il m'a dit donc que bien. Nous avons passé mon attaque supporté. Peut-être que Solonen, hein, peut-être non, maman. Peut-être que Solonen. Ouais, support que. Oh, avant, un petit peu comme Mingi. Peut-être un solo là. Bon. On a ce sac à support, hein. Donc, tu as sac. Bon, tu as bien, hein, bien, me connecter. Claude, oh, parce que. Vous avez été sur le landing. Elston. Bon, tu as bien, hein. Il y a que sur le Nandinga Beto. Que sur le Naki Congo. Ah, bah, des brésils, mais là où, quand même, on a pas de on a pas de Bernard Pongi, ah, Bernard Pongi qui l'a où. Ah, mon frère qui l'a où. Mais je vais comprendre. Grâce. Grâce à Vasso. Bernard Pongi qui est vrai qui l'a où. Mais mon frère qui se met un vrai bilan où. Bambou, je sais pas qui est là. Vrai qui l'a où. Bon. Je viens de te mouiller, peut-être que. Qui mène à la tomabilo, je vais profiter de moi que solo liaï avant moi un pipe que comingé. Donc, je vais passer quelques minutes, quelques secondes, pour positionner qui zonzo liaï. Une bêtise boucle à téléphone. Qui zonzo. Pission, à basso. Ah, bring. Bika. Mambia et batouana bao, benda bika. Bon. Oh, ben, viens me positionner bien à Zulu, na 4-4. Tu me comprends, non? Ça va être sur le bien. Bon. Ben, viens me basiter. Ben, viens me kankaka, tu m'as bien à manima. Mkatuka mounzaka yaï. Bon. C'est vraiment ma dire qu'elle est. Mais bon. Moi, je tourne ma chauffage na 4. Ça va être beaucoup plus loin de vingout na ba vunga marga. Bon voilà. Un instant, mon acquisa. Pas de babine. Voilà. Voilà.
Wap telefone kaka. Wap temetulia. Bemi mba ki telefone ya zola. Kebe tsolo nanbiya. Le temps que je chauffe ton mobile, je vais vous fouiller deuxième téléphone. Jacob Sengi, Adelaide, Mungengi, va passer. Parce que sur le nom de Bois, je suis en train de me comprendre. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je vais vous faire un coup. Je bon. Peut-être que tu es en train de me démarrer ton mobile. Hein? Bon, peut-être que tu es rapidement. Mamu kandi ya me katu na mfumi ya becha kukuba mfumi ya becha luangu ben me comprendre non bon ben ke comprendre mama ke zonzaga wa voilà bon tangete mamu kandi ya rapidement. Bon, faut m'aider à louer une maison de marquer. Faut m'aider à louer une maison moutine. Hein? Les lumières qui nous frappent, peut-être qu'on a manié mal, peut-être ballon à ma côté. Bon, voilà. On a mis du thé à te faire bien. Puis nous avons l'air bien. Pas que ma gorge à café. Mais mets ta café. Hein? Y a un café. Vous comprenez? Ah, peut-être qu'il y a un système, il y a café. Ah, Claude, ça chauffe, ça chauffe. Bon, il me faut mettre à loin maison. Il faut mettre à loin maison, Moutindiaï. Voilà. Pourquoi nombreux Africains aiment lutter par procuration? Hein? Pourquoi nombre d'Africains Nilas, Avaso, MK, Nzingi, Mbochange, Georgette, Avaso, Mbochange. Pourquoi nombre d'Africains aiment lutter par procuration? Il y a Mekatoukna, Mfoumia Betia Luango, Samastetika, Zinga premier. Parlons de la lutte que nous menons actuellement pour la libération des terres du royaume de Luango et celle de toute la Fédération Congo. D'aucuns ont pris l'habitude de m'interpeller en me disant « Sa Majesté, point, 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 votre lutte, votre réflexion, vos communications, vos actions, etc. » Oh, pardon. Pardon, hein, qui m'a dit que vous avez dit que vous avez c'est pour que mes ventes vont bien, mais si il va bien là, bon, dans mon serré va bien, voilà. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il dit, hein. Faut bien mettre la longue maison de marque, hein. Pourquoi nombre d'Africains aiment la lutte par procuration? Parlons de la lutte que nous menons actuellement pour la libération des terres du royaume de Luango et celle de toute la Fédération Congo. D'aucuns ont pris l'habitude de m'interpeller en me disant « Sa Majesté, votre lutte, votre réflexion, vos communications, vos actions, etc. etc. » Comprenez? Si ces hommes et ces femmes qui nous... Si ces hommes et ces femmes qui nous élèrent, comprenez? Souvent dans la rue, veulent réellement la fin de l'oppression par la France et leurs nègres de maison sur nos terres ancestrales, si leur volonté
et de voir des conditions de vie de nos parents rester au village natal s'améliorer, pourquoi ne s'engage-t-il pas en faisant aussi de notre noble combat qu'ils appellent votre combat, hein, de l'heure, hein, parce que c'est notre combat à tous, hein, mais eux, quand ils nous voient dans la rue, ils disent votre combat, donc c'est pas leur combat, comprenez, et ça c'est très important, parce qu'il y a un groupe de débrasistes qui nous voit très souvent, et je vois même beaucoup de gens même nous rédiger, et nous le dire très clairement, ah vraiment, nous te félicitons pour ton combat, donc on comprend que, mais ils se disent Congo, mais donc on comprend désormais que ce n'est pas notre combat tous, le combat il est nôtre. Au lieu de dire notre combat, ils disent votre combat, mais ils se disent Congo, mais quelque part ils disent oh, nous vous acclamons, nous vous félicitons, mais ils essaient d'attribuer cette lutte à la nôtre seulement, pas la leur, comprenez. Donc c'est une réflexion très claire. Si ces hommes et ces femmes qui nous hèlent souvent dans la rue veulent réellement la fin de l'oppression par la France, leur nec de maison sur les terres ancestrales, si leur volonté est de voir les conditions de vie de nos parents rester au village natal s'améliorer, pourquoi ne s'engagent-ils pas en faisant aussi de notre noble combat qu'ils appellent votre combat, les leurs. Comprenez ça, chers amis. Est-ce que parce qu'ils jouent sur deux tableaux, espérant au fond d'eux-mêmes être un jour être invités au restaurant du diable de l'Élysée, à qui, comprenez ça, chers amis. Je reprends cette partie. Est-ce qu'il joue sur deux tableaux, espérant au fond d'eux-mêmes être un jour être invité au restaurant du diable de l'Élysée qui a pour serviteur Zélé le boucher d'Oyo? Ce sont ces gens-là que nous appelons les gens du milieu, ceux-là qui se disent qu'ils n'ont pas de position. Ils sont neutres. Dans la lutte de la libération des territoires Congo, il n'y a pas de neutre. Comme tout à l'heure, j'étais en conversation avec, je peux dire un banda, parce que moi je me suis marié à une sœur, et ce frère aussi est marié à l'autre sœur. Il dit, il n'est pas d'accord à la lutte que nous sommes en train de mener. Je dis, tu n'es pas d'accord? Explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Oh, je ne veux pas la division. Mais j'ai dit, mais je lui ai basculé le livre, l'extrait du livre de Obenga. Je lui ai dit, est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu l'as dit à Sassou? Tu l'as dit au Mboshi, de leur attitude, de leur comportement. Salut à toi, Bodley. Comprenez? Tu n'es pas d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour demander de l'autre côté de s'améliorer? Et moi, je lui ai fait savoir que toi, tu es à Pompidou, tu es à Hitlerville. Hitlerville, c'est pas chez toi. Chez toi, c'est sur le territoire Congo. Il me dit, bon, voilà pourquoi j'ai investi chez moi. Il dit, tu investis où? Quels sont les revenus de ton investissement dans le pandémonium? Comprenez? Est-ce que construire une petite maison avec deux fenêtres, c'est ça l'investissement? Ça veut seulement dire que vous n'avez pas compris le sens de l'investissement. Ça veut seulement dire que vous ne comprenez pas l'économie. Ça veut seulement dire que vous ne connaissez pas la vision économique. Parce que si vous vivez à Hitlerville et vous construisez une petite baraque là au pandémonium, vous avez mis quelques locataires et vous recevez 75 000 francs CFA par mois et vous dites que c'est un investissement, là vous avez tapé à côté. Ici nous investissons, on achète des propriétés, on revend, on bouge, on achète et puis ça avance. C'est ce qu'on appelle un investissement. Tu fais de l'argent derrière l'argent de la banque. Tu vas prendre un prêt à la banque, tu vends, tu rembourses, tu récupères le capital, tu récupères le bénéfice. Et tu peux faire 200 000, 300 000 de bénéfices dans chaque propriété que tu vends, tu revends. C'est ça qu'on appelle le business. Comprenez? On bâtit des routes, on construit, voilà, c'est ça qu'on appelle l'investissement.
Comprenez, tu peux pas aller investir dans un pays où les gens ne travaillent pas, les gens ne sont pas payés, les gens n'ont pas droit à l'assurance santé. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vois des gens dire, oui, la diaspora ne vient pas investir. On ne peut pas venir investir dans le pandémonium. On n'investit pas dans le pandémonium. On investit pour avoir un retour sur l'investissement dans un temps record. Voilà pourquoi c'est très important de faire les cours économiques. Ici, on apprend l'économie à des enfants déjà à l'école primaire. Et les enfants comprennent qu'est-ce que c'est l'économie. Vous faites affaire aux gens qui ne connaissent pas l'économie. L'économie, c'est même pas avoir quelqu'un qui a étudié sur des anciens manuels de l'Union soviétique à l'époque. Donc tous ces couillons de Moshi. C'est pas ça l'économie. L'économie, c'est créer des boulevards économiques, c'est-à-dire des routes. C'est avoir des sociétés. Mais nous avons l'impression que vous êtes là dans un modèle qui ne vit que de la charité. Des petites entreprises où tout le monde devient entrepreneur, dans un modèle économique de grand développement, on parle des bulldozers économiques. Comprenez les bulldozers économiques? Les bulldozers économiques, ce sont les multinationales qui sont comme une armée économique. Comme un peu Total, c'est une armée économique. La Société nationale des pétroles pouvait être un bulldozer économique s'il y avait des visionnaires à la tête, déjà c'était même ça la vision du président Lissouba en créant cette compagnie, mais malheureusement qui n'a pas vu le profit. La compagnie a été créée sur papier et c'est là où il pensait que je ferais de l'entité Congo une petite Suisse parce qu'il avait déjà négocié les parts de l'entité Congo à l'époque, donc il pensait faire développer à travers des bulldozers économiques. C'est-à-dire que des monstres économiques qui sont capables d'aller avaler le marché du gaz et du pétrole du Gabon, du Zaïre, créer des partenariats, venir acheter des parts de marché même là, Hitlerville, envahir Hitlerville par des intellectuels congolais. C'est ce qu'on appelle l'économie. Donc si tu construis une petite baraque, tu as un petit kiosque, c'est du pain perdu. Nous avons travaillé dans le pétrole, nous avons laissé des maisons là-bas. Mais on ne s'occupe même pas de ça. Les petites miettes qu'on paie, là, 75 000, 120 000. Là. Les 120 000 qu'on reçoit, on te donne. Si ça revient ici au Canada en dollars, ça ne coûte rien. Vous comprenez? Tu as eu un petit taxi, tu as mis là-bas. Et tu te dis entrepreneur. Ce modèle économique ne fonctionne pas. Vous comprenez? Donc c'est très important que vous compreniez ce message-là, hein, le message que je venais donner à mon mandat, hein, comprenez ça chers amis. Et je lui ai dit, tu es minoritaire, tu es seul, mais le Congo ça fait déjà 34 264 signataires de la pétition. Mbochenge Maman Makila Mabe, Mbochenge Christian Pou, Mbochenge Paching Chitembu, Abounie, ah, Beta Simbuke. Là, je parle maintenant en Kuni. Là, ici, du côté du Nyadi, là-bas. Ou du côté de l'Oudima. Du côté de Kiosi, là-bas. Comprenez? Donc, vous parlez économie. L'économie, tu as un petit bus que tu as mis là-bas qui collecte un peu de gens qui font des circuits fermés ou qui part déjà au fond à Mpaka, là-bas. Hein? Tu passes à 120 au marché Tietje, tu passes à Savon, ou tu passes par Tata Luboko, tu crois que oui, c'est bon, c'est ça l'économie. Le bus là travaille dans quelles conditions? Les entretiens, les routes. Comprenez ça, chers amis. Hein? La vision économique, c'est d'avoir des bulldozers économiques. Il faut des visionnaires. Vous voyez, hein? Lissouba. Là, je vous ramène encore au président Lissouba et au président Alphonse Massamba Déba, deux visionnaires Congo qui avaient mis des bulldozers économiques à cette époque. Comprenez? L'emploi était là à foison. Les gens venaient de partout à travers le monde entier, à travers l'Afrique, venaient travailler là. Chaque coin de l'entité Congo avec ça à l'époque avait une industrie qui fonctionnait. Donc on voulait conserver les populations locales dans ces environs-là pour travailler. Comprenez? Pour éviter
la concentration des populations dans les villes, donc éviter l'exode des villages. Et l'activité économique fonctionnait. Ça, c'est le président Alphonse Massamba Déba, monstre de l'industrialisation, avec le professeur Pascal Issouba. Ils avaient quel âge? Ils avaient... Nous, nous sommes plus grands. Nous sommes déjà autour de la cinquantaine. Mais et ils étaient autour de 26 ans, 27 ans quand ils l'ont fait. Parce que ceux-là, ils ont eu l'amour de pouvoir le faire. Ils ont mis des monstres économiques. Si vous êtes dans un modèle économique où l'État ne, enfin, votre pays ne produit pas à travers les bulldozers économiques, donc les multinationales, votre économie va tourner au ralenti. Vous allez vivre. C'est compliqué, c'est pas un modèle économique. Est-ce que vous comprenez? Et Issouba et Massamba Déba avaient compris. À cette époque, ils travaillaient beaucoup plus sur le bois. Comme la première ressource, les premières ressources financières même de l'État à cette époque. Maintenant, dans leur intelligence, ils ont même mis les RNTP pour faire fonctionner l'économie, bouger l'arachide qui quittait au fin fond de Mapati là-bas, le café qui quittait Indo là-bas, vous comprenez? C'était des visionnaires, ces gens-là. Donc, il fallait qu'il ait une société de l'État pour entretenir les routes, pour que cette branche de l'État qui partait acheter le café et le cacao auprès des villageois et qui distribuait même les engrais pour produire, continue à travailler et que les marchandises continuent de bouger à travers des voies bien entretenues. Ils ont même mis la voirie pour assainir les villes, la distribution d'eau, l'électricité. C'est ça la vision économique. On met des bulldozers. Votre pays produit au maximum. Les gens travaillent. Vous voyez ici au Canada, chaque mois, aux États-Unis, même en Europe, on sort le bilan économique. On voit le nombre d'emplois. Combien d'emplois avez-vous généré? Et quels sont ces emplois? Ça doit être des emplois rémunérables. Et ça fait fonctionner l'économie. Parce qu'il y a le pouvoir d'achat. Les gens travaillent, ils ont des salaires, ils dépensent, ils vont tourner l'économie, formelle comme informelle. Les banques fonctionnent, les assurances fonctionnent, les transporteurs fonctionnent, les restaurateurs fonctionnent parce que les gens vont consommer. C'est ce qu'on appelle la vision économique. Et de l'autre côté, vous avez des bulldozers qui peuvent aller avaler l'économie des autres pays pour conquérir le marché. Tu vois, l'entité Congo avec à l'époque pouvait vendre ses pagnes au Zaïre, au Cameroun, partout. Les gens pouvaient bouger, venir étudier. C'est ça la vision économique. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai dit à Mombanda là, tout à l'heure là. Je le lui ai dit. À l'heure où on parle, je ne peux pas investir dans le pandémonium. Tu investis dans le pandémonium? Le retour sur l'investissement est nul. Un entrepreneur qui vient là-bas pour investir, il va balancer les risques de son investissement. Est-ce que vous comprenez? On balance les risques de son investissement. On n'investit pas dans le vide. On investit pour... On calcule, c'est un calcul économique. Je mets 200 000 dollars en jeu, mais je dois avoir le retour sur l'investissement en 6 mois, 7 mois. Et commencer potentiellement à avoir mon bénéfice dans le 8e, 10e mois. Ce qu'on appelle le profit. Si vous comprenez. Dans un modèle économique comme le pandémonium, rien ne peut marcher. Il vous faut des cerveaux penseurs. Et c'est ce que nous sommes en train de proposer dans la Fédération Congo, dans notre nouveau pays. Vous comprenez? On va donc continuer de lire ce que Sa Majesté Tshisekedi Tshilingba Premier nous a dit ici. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas des gens de la rue. Nous avons été formés dans les grandes écoles. Nous avons travaillé dans de grandes compagnies. Et nous occupons des fonctions de responsabilité. Non pas seulement même chez nous-mêmes. Et même ici chez les Blancs. Et ici nous sommes dans un monde de la compétition. Les entrepreneurs, les entreprises cherchent les meilleurs pour occuper les meilleures fonctions dans les meilleurs services. Comprenez ça, chers amis.
Donc ici, on ne va pas t'embaucher parce que tu es le fils d'un tel. Et puis nous sommes expérimentés. Nous gérons des budgets à des multimillions de dollars américains de nos entreprises dans tout le travail qu'on fait. Comprenez? Donc ça demande une intégrité. Comprenez ça, chers amis? Ça demande des gens conscients, sérieux. Le blanc ne va pas mettre un noir comme moi dans un grand pays, gérer tout un département avec beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que vous comprenez? Je continue. La lecture, c'est quand même qui commence à faire un peu noir, mais je vais continuer. Si ces hommes et ces femmes qui nous élèrent, souvent dans la rue, veulent réellement la fin de l'oppression par la France et leurs nègres de maison sur nos terres ancestrales, et leur volonté est de voir les conditions de vie de nos parents rester au village natal s'améliorer, pourquoi ne s'engage-t-il pas en faisant aussi de notre noble combat qu'ils appellent votre combat le leur? Comprenez? Est-ce parce qu'ils jouent sur deux tableaux, espérant au fond d'eux-mêmes être un jour invités au restaurant du diable de l'Élysée, qui a pour serviteur zélé le boucher d'Oyo? Est-ce parce qu'ils perçoivent déjà en sourdine des avantages de la dictature du démon ou du pandémonium? Se plaignent-ils à visage caché en France ou ailleurs, hors de nos terres ancestrales, parce qu'ils sont enregistrés sur nos territoires occupés comme fonctionnaires publics de la dictature et perçoivent des salaires fictifs? C'est ça le problème que nous avons avec le débrasisme aujourd'hui. Sinon, jusqu'à quand ces hommes et ces femmes resteront-ils dans les gradins pour regarder ce qu'ils pensent être un match de football? Ce n'est pas un match de football, ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nombre d'Africains aiment sous-traiter la lutte, voir toujours les autres agir en leur nom, au lieu d'agir également eux-mêmes, aux côtés des autres? Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. C'est comme un peu, j'ai entendu l'audio d'un jeune frère du Pandomonium, et qui est au Pandomonium là-bas, il a mis, ce jeune frère-là parlait à un bossi qui s'appelle Elenga. Ah, m'a dit, moi, comme Nanganda, moi, c'est tout ma boque dans ma poche, moi, je vais gorger à café. Hein. Pour un café, il y a qui s'est, il y a qui conservé, il y a qui n'est pas souvent, il y a qui thermos. C'est comme un peu, j'ai entendu un audio là-bas qui circule. Là. Un petit du Pandomonium a largement cité le nom de Bernard Pongi. Bernard Pongi, c'est un fou! Il a parlé beaucoup de choses. Là. Il parlait un mot. Mbachanga, mettre Sylvain Senda. Ah, avec qui n'a pas de moka, tout le monde yolo. Tout le monde yolo. Et le petit là a dit beaucoup de choses là-bas. Il me demande à moi d'aller attaquer les travailleurs du Pandomonium qui sont à l'ambassade du Pandomonium ici. Mais ça ne sert pas. Nous sommes une fédération. Moi, je suis Congo. Nous avons mis en place notre pays, la contre-canaille. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous battre avec les Mbossi. Nous, on va dégager les Mbossi sur nos terres. Sassou Maturin fait la tête dure. Nous allons tuer Sassou, vous allez voir. Nous allons tuer tous ces mochis-là. Nous allons les tuer sur nos terres. Comprenez? Nous sommes chez nous. Okemba vous a dit ça, non? On a tué là-bas à Mpangala. Pourquoi vous n'êtes pas allé dire ça à Okemba? Hein? Les Dabira sont venus vous dire la vérité. Qu'ils ont mis Ntoumi là. Et c'est eux qui donnent les armes à Ntoumi. Ils vous ont dit ça?
puisque le petit là vient de vouloir mettre Mpangala en jeu. Nous sommes là, c'est pour protéger Mpangala. Comprenez? Mpangala, c'est la porte d'entrée. C'est la porte par laquelle les Mbochis rentrent. Les Mbochis essaient de corrompre les Débrasistes pour détruire l'ensemble des Congos. Comprenez? Et nous ne laisserons jamais Mpangala. Et je leur dis, ces gens-là, na contre Kanaï, Pongi que moi, Mpangala. Mouyonzi est dans Mpangala. Vous ne savez pas ça? Hein? Demandez à tous qui sont nés là dans les années là. Ils vous diront, ils ont écrit Mpangala là-dedans. Moi je suis un fils Congo. Mpangala m'appartient. Donc, tu vois un petit, tu vois, regarde la vie d'ici. Là tu sors du bureau, regarde, je vais te montrer. Ah, je vais vous montrer. Vous voyez, hein? Là, je fais 360 degrés. Hein? Je vais d'abord horizontalement. Hein? Je tourne horizontalement. Regarde là où Pongi travaille. Là, je tourne. Je vous montre. Même les Sassou peuvent voir et leurs alliés français. 360 degrés. Je tourne. Je monte encore 360 degrés. Et à mon assiette de point de vue horizontal. Hein? On met sa tête cercle. Mais je que ça n'a Zulu. Hein? 360 degrés. Il y a du Zulu. Il y a un balouka, hein, petit. Bon, il y a un adizoulou, il y a un adizoulou. Mais il y a un toto. Petit, il y a un toto. Il y a un balouka, il y a un balouka. Il y a un toto. Il y a un toto. Ngemezo ambongo, voilà. Ngemeta la vie, hein. Ni la vie avec une sensation, ngemeta na sauce que ça là. Économique na fonctionner. Et puis que nous na sauce que ça là, ça na bat nyons tout. Ya van vekaka, moi bant ndambu, me ko ensal moi ba nzonzi alu vuna me pesa moi ambongo. Permettez là. Hein, ben me comprendre, non? Donc, but ya Fédération Congo, ne ku bak bantu chabetu. Hein? Ah, qui me organise, voilà. Bienvenue, M. Kou, positionné bien. Parce que tout à l'heure, il y avait un messie bien, ouais. M. Kou, voilà. Mais maintenant, non, hein? but à fédération, c'est pour faire le bien aux gens. Parce que, Baban, tu me salmes, moi, je suis un peu bête, patacha bête. Bambo, je me fous à Kouna. Mais je me comprends. Mais il me dit que Bambo, je freine à Koufou à Bakong, ni fédération. Si Benza avait. Ni fédération. Mais qui freiné, bah on a coup foi ben on a mantoua li a ben on. On a coup foi ben na Minduki. Mais y'a pas qu'on a coup foi toujours ben on. Na Nsatu, na Nkondo li à l'hôpital ou, que vous voulez banong ya imbi, hein? Pas qu'on a coup foi ben na Minkwachi, na Mayela, na Mansueki. Pas qu'on a coup foi toujours ben. Ni fédération, mais qui sale que, bouye va m'bosse, mais qu'on a bomba, na qu'on bat Minduki. Il met mes télémis fédération, mes maisons que met mes salines si à mon kuna. Bambos comme excuse, ils ont même un bel dialogue. Mais pas quoi ça le dialogue à bas ou? Hein? Bah là, quoi ça le dialogue à bas? Nous sommes pas dans sa tchabène, on a quoi ça le dialogue à bas? Bambos qui n'a pas que du nord à bas, il m'a que c'est là, banzonzo à bas. Bah, on met ça le dialogue à non? Bah, mes fois, ben, colola parfait, guine, mantoua, ben, mes saliki. Ben, mes tala. Ingratitude à ben, mes imans déjà même pas quoi. Alors, ben vani bin sam na yandi ya, ben me bouli l'al maboko. Ben me ziman déjà pako. Ben me tala. Ingratitude ya beno. Ban tiam pamba. Hein? Pako ben me bouli l'al maboko wa. Lulendo watata Lulendo. Lulendo watata. Wakolela wasisako lulendo watate ben yimba mikungi no ben yimba yave pako me telam na iti ayandi pako oh bancha mpamba min ke bambazi ya satana imen me telama
bancha imbi mekumuni ba inkena kunua nina kaba bancha beto bebeno ndandu ba inkena bancha beto pe betke fwa ben na kontre kana betke la tubula ben yao na kontre kana e betke fwa ben nyonstu mwa beno net mwa bankandi betke tete men ba intu mwa ntwe ni mekwen salba nzozo la buzoba mais regarde mon petit bange ke tal pongi kuna na kacha ba operation ya mwesi mun moske wana mantu la mambia ya hein ben comprendre jamais moulen fils mout na mantu la mambia mutu la ben yao le rek kubuka be ben na tarave mun partout parce mo ngana kwenda mutin ga mose parce mo mature mani kwenda no mature mani kuna so sababu nduk na nani ben tala passeport yan no mature mani kuna so sababu nduk na nani yana ni kuona na muntu huyu anaosa ni kwenda ah ben ngana tala nani kena kuona kota ba mimpepe kena kuona ba bisik nyoso ben ngana tala nani ben bacha l'Europe ngana tubla ben la contre kanae muke bana kacha Europe na bajumbi ya belumbi yake na kuiza yai 4 jours na kacha Europe ngana tubla ben la contre kanae me comprendre. Donc ben bancha milieu ben kina katkati ben kina zonza bon tama sa majesté ah qui sait le ben que bien pongi ah qui sait ben kina cela que bien ata muntu na beno que qui sauce veut qui salou na ce qui a beto parce que regardez dans leur raisonnement hein? Quel sera leur raisonnement les gens du milieu les pseudo neutres qu'est-ce qu'ils diront. Ils diront, ah, oh, vous voyez, vous êtes plus durs que les Moshis. Les Moshis nous donnaient même le travail. Et ce qu'ils viennent dire. Ah, les Moshis nous donnaient même de l'argent. La récréation est finie. C'est le retour de la loi. Les méritants vont avoir du travail parce que nous avons besoin des résultats, comme d'ailleurs les entreprises. Ceux qui ne méritent pas, nous leur formerons pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour travailler et produire pour leur peuple. C'est ça le marché de la concurrence. C'est même ça l'économie du marché. On veut des meilleurs et on forme pour remplacer et on forme pour que les gens continuent d'avancer. Vous allez me comprendre? Donc, ceux qui sont au milieu, je vous dis, peut-être qu'ils ont venu depuis Ntama, ou une qui basika, oh pilier, pilier, hein? Il n'y aura rien pour toi. Et si tu vas continuer à vous débraser, ce qu'on a zonza que bon, peut-être qu'on négocie dans le français, qui s'est marqué, ça m'a bête. Mpamba, mon pamba. Parce que, quand tu ne vas pas dans la fédération, que tu es en Cuba, tu es l'outil de Pompidou, tu es un fou, tu es Pompidou. Je comprends. La fédération vient avec une vision économique claire. Booster l'économie. L'économie entre les mains des Congos. Les Congos aux commandes. Les ayants droit vont gérer les ressources naturelles. Ben nga tala même nsoni ya beni kelve. Ben nga nakacha banto cha beno. Et ben nga mna yawla na mumboshi. Il mwana mkongo. Kena yawla na mkongo na mwana mumboshi. Oye lenga. Au kontepe ba Bernard Pongia. Elle me dit même que non, Bernard Pongi, qui est la prostate, Bernard Pongi, on a un nénana binkuchi. Oh, mais il y a un kema abouzoba. Il y a un Bernard Pongi, il y a un nangna bisenga koukouba. Il y a un Bernard Pongi, il y a un nangna bisenga koukouba, toujours bisenga gaillard. Il y a un talabé. Ni forme à Muntiaï, forme à Muntiaï, Bantia Kezola. Pas tout là, mais non. Mindele, il y a un talabé, il y a un talabé, il y a un talabé. Parce que quand j'ai intérêt. Mais parce que Zola aussi. Parce que Zola aussi. Bah, bande que changer jamais ma idée. Ben me comprendre. C'est parce que ben ça la psychologie veut. Ben que n'a pas école une veut. Ben me salver ma psychologie. Comment diriger? Et quel est le leader que communauté n'est que Zola? Il y a que n'a bande que n'a pas leader. Que n'a pas étoile. Bah, bande que Zola. Mine le avec tout à l'heure. Moi me sens là-bas ouais. Bah que bah tiens, bamba. Bah zorka bah intérêt. Mais il m'a même cru comprendre que bah moshi,
Même t'es là. Bon, on va vous livrer ça. Comme vous voulez qu'on vous livre ça, on va vous le livrer. Appelez les Mbossi qui viennent écouter. Mais ça va nan me contacter bête. Hein? Bancha Pompidou. Attends. Bancha Pompidou. Mais qui a poussé Bancha Pompidou à contacter Fédération? À contacter bête. Parce que ma maison zil Bancha Pompidou. Que ben me perde ma Congo. Il me perd ma Congo, il me perd qui me fout mon territoire. Maintenant qu'il joue à Bancha Pompidou. Non, il faut que ce soit contacté. Moi, je suis en train de faire un solo, je suis en deal. Donc, je vais te faire un deal. Vous me comprenez? Je vais me rejeter 2, 3, 4 fois, il y a 6ème fois, je vais me rejeter. Deal à Bancha Pompidou. Vous me comprenez? Parce que je vais te faire un deal. Parce que je vais te faire force à Bancha. Bin metal ba mbosh pa mekum tengu ki zungu sam laiki sa ba tia Pompidou certain na metu il ba ke ah banchin ke bancha kaka ben me per ki mfum na ba konkuna no me libet nan protéger di a ben ve si ben za mambu ve ben kona fung la ve ba inu a ben no beti za kote beti kena tula makulu bilumbia kena kuisa mo kaba na Europe pendant 4 jours na kacha Europe. Il y a des gens qui ont 6 jours à congé. Ils vont dans l'Europe. Ils vont tout blâmer dans la contre-canaille. Ils vont faire des choses et salver mon attaquima. Vous me comprenez? Parce que Mambo qui a Kouba. Vous me comprenez? Donc, Benina, il y a un corner marqué, un coin. Benina, il y a un coin. 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 Na ku lomba ku sal mangungu o mu ke so sal pagay ke van mena ka cha federation. Vous me comprenez? Le grand nettoyage va se faire petit na zona ba ba mochin me vana ka cha bantu cha beto ba ba mo sa ba ke basika ni sala ba ke wa bingundu mele bingundu ke ban kuna ba ke van dia même na ngole ku basikwe petit que fois ba ba petit avec que na ko se préparer kuna. Ma petite n'a pas vingt là-bas, n'a qu'à quoi. Maintenant, t'es là-bas, petite, mais qui a pas calme. Mais nous comprenons. Donc, petite que nous n'avons pas bien bête, n'a qu'à ma kédika. Petite que veut bancha imbi ni bain me kufwa bête kuna. Que n'a pas tatama n'a kufwa ka. Bain me yiben bonge ma génération future. Ben n'a boule là-bas ma boc. Mais comme c'est quoi là, j'ai logé na bao. Ben me kufwa pako. Lulendo watate. Eh lulendo. Lulendo watata. Wakolela wasi. Eh! On vous voyait là. Ben me zima déjà pako. Pako yuna mvumbi wa me baka na mmboshi. Ben me kumkuna. Kolela diave. Ben me kumkuna na mmboshi. Donc ce soit oh non, ben me kumkuna oh non. Bamfumi abeto ni yulu na opango ini bao. C'est fini avec la Fédération Congo. Bamfumu ntoto mekuibak bantoto ya bao na kati ya lutumunu ya mfumi ya bao nzami ya bakongo. Bakongo meme na kokoko kongrita di na kati ya bantoto ya bao ya longo. Mayu ya nyonso ina babanchi ya il y a Pompidou Sala na ku yidika Congo ya ba mosi ya Kintuadi le 28 novembre 1958 ba Congo meza makedika. Vous me comprenez? Donc Congo ya ben ya mosi ya Yulu na dili ya Yulu na dili ya Opango. Tala mukala kisben kizizi mosi. Kobe ni zolba zonzi ba mambu. Muza kizizi nke partout. Mais muzolbe kote tro na profondeur ya yao. Mukala kisika ben kizizi. Ben que comprendre à ben moi. Mais tu veux ben que mais que na ba mambo mais que tu veux ben non mais que tu veux yao. Les mac les mais que bac à fédération mais que vanis sur avant chabeto mais que redresser ba mambia. Qui si jamais l'un quand tu allais même na Brazza News hein.
Mais quand je suis là, je vais pousser à la réflexion. Je vais comprendre. Je vais trouver un peu de profondeur. Je vais trouver un peu de profondeur avec Zizango. Vous avez si bien que Talia bien. Na kisize yao, si ben kuwa na brother news ben getali yao. Ha? Ben getala yulu. Yankufi ya ni, yanya ni yulu. Ha? Ben geta yulu. Ben geta yoro. Ha? Inmazuna, libongwa yoro. Ben geta kikunga ngo. Ha? Ben geta na kisize, ben geta liba upango awa. Ha? Banyo siya kuluata, ike wakia kuluata. Wakia kuluata binkucha ba uwara. Comprono? Et on a fait à Tabaski, fait à Bawara. Là, qui disait, bah, qui kungango, bah, qui kuna, bah, yoro, qui kuna. Les bêtes qui bâquent à fédération, bêtes qui sont venus ma kédi, qui bâquent à mabunios, tout, bêtes qui bâquent à ma mikanda. Mikandi authentique. Bah, mikandi n'a pas banché à Michael Jackson, kenayao. Bêtes qui l'axement yao. Authentique. Signé. Parce que l'artiste Beno va mikanya va mutkuli va bantu mingi. Ça maintenant là, il y a que na ba mambe ka betene tu bil benve. Ben que tu na ba cœur sensible. Ben que tu na kiadi, ben que tu na ba boma. Mambe ka balen tu bil ben yave na men na montangi. Vous me comprendre? Ben que comprendre infiltration parce que y a quatre kaya ku kuba ya ngolo. Vous me comprendre? Donc Benina il y a un zonza qui kidi kidi. Ben il y a un bakla qui est par. Bambos me kubancha bien. Mikuyu me kumni pongi. Me pongke mu kuye nene. La contre kanaye. Peut-être tout le benya. Mature me yiben bambong na contre kanaye no. Mature me mwangisme na contre kanaye no. Mature me tout le benba chômage na contre kanaye. Bet na contre kanaye bete kui tung banto tchabakong. Ben nous comprendre. Na compte kanaye parce que pesa mamba bi salukuna. Na compte kanaye parce que tung banzila. Na compte kanaye. Eh. Bali kol ke wan kuna ku kuba. Na compte kanaye parce que tung ba compagnie ba bulldozer économique. Na compte kanaye parce que salia. Ben me comprendre. Donc position parce que clair. Na compte kanaye parce que bak banto chabetina. Parce que kubis ba mbulumbulu. Ah ben metal déjà. Qui s'y si met en même basis, non? Ben, quoi, on a mieux dans la partie historique, ben, qu'est-ce là? Qui s'y met en même basis? Ben, qu'est-ce là? Qui s'y met en même basis? Ben, mais tout bien déjà. Ben, me comprendre. Ben, quoi, on a qui s'y est? Hein? Vous avez si ben, qu'est-ce là? Bien, peut-être ça m'a. Ah, il y a que moi en passe. Ben, quand tu as le gizé dans le mur, hein, moi que c'est là, moi, na elle, hein, pour que y ait talent de moi bien, hein. Ça me l'allume, et que ma nîme, ben, l'intervue, bien. Ben, quand tu as le gizé, ben, tangi, que kuna. Ben, quand tu as le gizé, que kuna. Gizé, que kuna. Moi que c'est là, non, moi, elle, ça me lumière, que na salam, que ben, l'intervue, bien. Ben, quand tu as le gizé. Ben, quand tu as le yakuna, ben, tanga. Il y a que tu sonika. Il y a que na mur, à beto, il y a que pe na partie, historique, kuna. Ben, quand tu as ben que comprendre que banya ba kon ke banya mayela. Ben que comprendre. Bon va tata maman ma fo mu kota. Et sambileno. Kondo le mu na Europe, na bloom eh iya. Lumu mosi zole tatu iya. Bet que bana kacha Europe. Bet que na ki sal bet que sal kuna mambe ba Congo. Mutin kaka maturo vanu kwa ntambula ben van italien me yae mungu na kutuba yae yake na kati ya control ya bambangi ya bime mambi ya kukuba ben me comprendre biti na tula baya na makedika biti na kubumba ve me kilumba ke kilumba zave ni kilumbi na bizonge kubuka kilumba ke zave yao kilumbi na mikaya pongi kiluati tenu ya general mikaya pongi sur le terrain yan mosi. Ben que Wamunu na la voix de l'Amérique, ben que Wamunu na BBC, ben que Wamunu na ba chaîne ya ba banque ya Pompidou, ben que Wamunu en tant que un fou mi a bas opération,
parce que tu veux que bon awa parce que na zonzaka mouke na zonzaka mouke na ki bendi ayi bête me raser bête me raser bête me raser ben me voya batata na mama ndingi ni ben ke wa na la voix de l'Amérique il me que wa na BBC ya ke bandinga mika ya pongi yan mosi mfumu ya bas opération ben ke wa commando ya bas opération mika ya pongi ben me comprendre parce que baba tia parole on dit on fait. Vous me comprendre. Mais tout là ben non, mais que salé non, fédération ben me salé. Mais tout là ben mais que na ka diplomatie, mais que ko na l'ONU. Ba bukaja tout là ben ba ko na l'ONU, ben talaba na l'ONU. Ben talaba na l'ONU. Mais tout là ben mais que ko tal ban cha Michael Jackson. Ben talave mon na Joe Biden kuna. Ben talave yo. Hein? Ben talave. Ini si bana kilao, pongi kilao. Il est Joe Biden mais yamba. Maintenant on goulue en mode, t'attends à me sacrer le Congo, mon conquer Clemenceau, mon conquer le coco coco Congo d'Italie, coco coco Congo d'Italie, coco coco Congo d'Italie. Maintenant on goulue en mode, Abu, oh, Ali, ah, Alina, Cuba n'engue même pas na bomba, mon gars nous en Europe, kuna na banche ku Cuba, ben me comprendre. Donc, est-ce que Belgena bombe ensemble? Belgena bombe bamboche? Belgena bombe bamboche? Bah, tu l'as même que pongi que esprit. Esprit que vana bombe à l'oufoua. Il m'a tout l'amène comme une mosque vana terrain. Donc, que vana bombe à l'oufoua. Hein? M'fou mes bas opérations. Pongi vana bombe à l'oufoua. Mais que la qui se bao. Vrai bas guerrier vanda. Mais que la qui se bat que le Congo va être vrai bas généraux. Mouke ve mboulou mboulou. Mais que l'oumi ben que tel ba carte que basika. Ba carte que basika. Ben me comprendre. Ben que comprendre ma yéla ba Congo. Comment on gagne la guerre en 45 minutes. Comment ba ke mwangisa ka bouala en 45 minutes. Ben me comprendre. Stratégique ni yina. Gagner la guerre en 45 minutes. Pour faire couler l'ennemi. Nous avons pu faire boire les vins en Europe. Tranquille. Parce que nous avons pu faire un IA. Parce que ça nous a fait. Dans le pipe, tout est ça là. Le lendemain, tout est ça là. Le lendemain, tout est ça là. Mais vous foutez qu'un monde. Peut-être que tout le monde est contre-canaille. Comme nous avons pu faire. Je ne sais pas quoi. Nous avons pu faire contre-canaille. Oh. Eh. Maman, je suis là. Je ne suis pas Omo Tunde. Je vais vous expliquer ça. Je ne suis pas Omo Tunde. Benige kuna landa ba mama na buzo ba benke na comprendre 20 degrés spirituels. Mometel ba batu me contour kuna. Je suis Charlie, je suis Omo Tunde. Ya ke bi me degrés spirituels ya ku kuba. Na ku contrôler ba mpe ba beno. Pongi ke pongi. Tu me comprendre? Pongi ke ve Omo Tunde. Pongi ke pongi. Bongi ke leve Omo Tunde. Le mama longo wani but pongi Omo Tunde vanda kunve yan buta pongi. Nge me comprendre? Donc mère makila mabe. Pongi n'est pas Omo Tunde et je ne serai jamais Omo Tunde. Bet kra kuza na Europe, na ki sal bet kra ki sala, bet ki sal kuna bet ke sal ki salu, bet me futuka. Sasu Macron, pongi ke na kuza na Europe, bilumbe ke na kuza pongi ke kuiskun, bilumbe un iya muga kuisal. Macron zaba ke pongi ke na kuza na Europe, bet me tuil baya, ben ku wambote, pongi ke kuza na Europe ke kuisal kisalu, bilumbe ke na kuza yai, pongi si ben tadi amun connecteve, pongi ke na boale Europe ke kuisal kisalu me vuduka tranquillement, ben me comprendre, inipilina. Ben tu veux pas que parce que na bombe ya mon trouvé. Mon tine que na katia beto lutin ngolo na beno. Ba en messi me fédération me lutir ku kuba na beno. Ben me comprendre. Pongo ku sar ki sale andi, pongo me vutuka. Pongo ke leve Omo Tunde. Omo Tunde ni Omo Tunde. Pongi ni pongi. Ben tu veux ba bantia ba binza minzambia bao. Ya mambia imbi ke pongi ke pongi.
pour que je me kaka. Vous me comprenez? Côté de tsa pongi, au mot tunde vanda kunve. Nan tsa pongi. Ben quand il fout bas, nan tsa pongi. Pongi quel fumuntoto. Nan tangu nan pipa pongi a kukuba. Pongi a kutalaka ba mambu inke kuizaka. Ben kuwayao. Le pongi talaba mambu inke kuizaka. Pongi peke wana nan zila inanke luta na kukontourne. Bah Sasuke ba Sasuke tu vas enke kani non enke ve kani c'est un assassin et peut-être na bungoko ya ko kuba enzam ke na ko twalisa muko kwisa na kat Europe ba lumia ina kwisa mambi ya ba Congo yin met ke manisme ba Congo umevutuka tranquillement mais non bilum ke kwisa mambi ya kake salam ben kuba ma comme langue ça bu bandi peut-être que la gis ben ba bandi. Ben nous sommes pas fous. Ben nous sommes pas fous. Batono, dans le monde, nous conquérons les manzaou, nous conquérons les coco de l'Italie. Ah, bien, nous avons un café, nous avons un mongolo. Coco de l'Italie. Coco de l'Italie. Coco de l'Italie. Batono, dans le monde, abou, bia. Ben là, le monde.